俺はここに来て毎日思う何でこんなことになったんだろうって心も体もむしろまれ徹底的に自由を奪われ自分自身も失うこんなことになるなんて知っていれば誰も戦場なんか行かないだろうでもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ大抵その何かは自分の意思じゃない 他人や環境に強制されて仕方なくだ <laughs> ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だその地獄の先にある何かを見ているそれは希望かもしれないしさらなる地獄かもしれないそれは進み続けたものにしかわからない <music> Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de l'attaque des titans saison 4 si vous ne l'avez pas vu c'est disponible sur Wakani, vous avez le lien en description comme d'habitude. Je vous conseille aussi de checker après le générique de fin. Je sais que certains ne regardent pas ce qui se passe après le générique de fin parce qu'ils ne veulent pas euh, voir la preview du prochain épisode pour éviter le spoil. Ici je vous conseille de checker parce qu'on a une petite scène justement qui va... Vous mettre l'eau à la bouche pour la suite. Donc on en parlera à la fin de la vidéo. Histoire de pas spoil non plus euh, maintenant. Mais allez checker ça pour ceux qui n'ont pas vu. Alors déjà dès le début de l'épisode, je me suis dit... Oh là, est-ce que Rainer va rencontrer Eren Parce que oui, la dernière fois on avait vu que Falco parlait à Eren à la fin de l'épisode. Et ici, en fait on a Rainer au début de l'épisode qui est en train de marcher dans la rue et qui recroise Falco. Et du coup, bah, dans ma tête je me suis dit, attendez, Falco il était près d'Eren, est-ce que Rainer du coup il va voir Eren là maintenant parce que Falco revient d'Eren Eh ben pas du tout en fait, hein. ils sont simplement dans la rue. Donc déjà à ce moment là je me suis dit, oh là là ça va partir en cacahuète dès le début. Mais non. Finalement non. Pas du tout, par contre, on apprend que Falco va poster une lettre pour Eren. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'Eren, effectivement, euh, déjà a trouvé un moyen finalement de contacter ses alliés. Parce que, euh, bon, ici, il est à l'hôpital, il fait genre qu'il n'a pas de souvenirs machin, ok, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que les lettres, bah, elles sont très certainement effectivement filtrées. Et pour éviter que quelqu'un mette la main dessus et ait des informations qu'il n'a pas à voir, bah, Eren utilise tout simplement Falco. Pour faire parvenir sa lettre. D'ailleurs, euh, Falco revoit très très souvent Eren apparemment, et j'ai l'impression que Falco, en fait, plus on avance là, alors c'est peut-être juste parce que c'est le début de saison et qu'ils veulent vraiment nous donner euh, le côté, enfin nous montrer euh, le côté euh, nouveau guerrier et marre, etc. Mais j'ai l'impression que Falco, plus on avance, plus ça devient un personnage intéressant et surtout très important et j'ai limite l'impression que ça devient le héros de l'histoire hein, parce que c'est lui qu'on suit en fait pour le moment ok Rennes ils sont là et tout en infiltration on aurait pu nous montrer comment est-ce qu'ils se sont infiltrés et tout mais finalement pour le moment euh, on a aucune information là-dessus alors peut-être qu'à un moment donné on aura l'information là-dessus mais là ils l'ont pas expliqué et euh, du côté de Falco on suit vraiment en fait l'aventure de Falco actuellement alors je pense que par la suite il va avoir un rôle très très important je ne sais pas s'il va réussir à récupérer le cuirassé parce que actuellement c'est son objectif. D'ailleurs, à un moment donné dans l'épisode, on voit qu'il arrive enfin à battre Gabi alors que d'habitude il n'y arrivait pas. Donc effectivement, euh, je pense que les paroles d'Eren l'ont remotivé. Parce que dans le dernier épisode, bah, il était un petit peu en mode... Euh, bon, je sais que j'aurai pas le titan, le titan cuirassé, mais je veux absolument l'avoir parce que je veux protéger Gabi et tout. Et bah là, il arrive enfin à la battre. Donc bon, pour le moment... On n'a pas encore de successeur au titan cuirassé, mais euh, je pense qu'effectivement, Falco va tout donner pour le récupérer. D'ailleurs, c'est ce qu'il montre dans cet épisode-ci, donc assez intéressant. D'ailleurs, il fait sa petite déclaration à Gabi hein, en mode euh, c'est pour toi que je le fais, machin. Bon, bien évidemment, Gabi elle comprend pas trop le délire, mais nous on a très bien compris que Falco il tenait énormément à Gabi et tout le tralala. Hein. D'ailleurs, tout le monde l'a compris finalement, même Eren la dernière fois il avait compris euh, par rapport aux petites histoires. Dans cet épisode on voit aussi pour la première fois la famille Tyber qui et la famille dirigeante on va dire euh, des mares. on va dire ça comme ça parce qu'ils ont pas mal de pouvoir et de prestige. Alors c'est eux qui vont euh, notamment participer à la cérémonie et c'est Willy, si je ne me trompe pas sur son nom, là l'espèce de chef euh, du clan qui va euh, justement eh bien essayer de réunir tous les pays parce que le but ici ça va être durant la cérémonie de créer une alliance entre tous les pays contre... L'île du paradis. Et pour ça, bon, on le savait déjà, on avait appris ça, je crois que c'était dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3. Non, je crois que c'est à la fin de l'épisode 2. Et pour ça, eh bien, la famille Tiber est pas mal euh, pour ce rôle-là parce que, eh bien, euh, ils sont respectés un petit peu partout, on va dire ça comme ça. C'est ceux qui ont eu le moins de problèmes. En plus de ça, ils ont le titan marteau. D'ailleurs, on ne sait pas qui exactement est le titan marteau. Alors, je pense personnellement que c'est Willy parce que Willy a l'air d'être le chef. Et parmi ceux qu'on a vus. Euh, J'ai du mal à croire que l'un des autres pourrait l'avoir parce qu'on a surtout des très très jeunes, des gosses carrément. Et euh, bon, on a une, euh, une femme qui est plus âgée et un homme qui est plus âgé, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je pense, pour eux d'avoir le titan. Donc, à mon avis, c'est Willy qui devrait l'avoir. Alors, je crois qu'on a même pas encore l'information de ça actuellement je crois que même dans les trailers on nous dévoile pas qui exactement a le titan marteau mais on verra euh, bien ça dans, dans les prochains épisodes de toute manière parce que là ça va commencer à partir dans tous les sens chose très intéressante c'est qu'après ça on a une petite discussion entre le maréchal et encore une fois Willy quand ils sont euh, là où va se tenir la cérémonie etc et il y a une phrase que j'ai retenue parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand ils sont en train de parler là, ils parlent un petit peu de leur plan d'action et de tout ce qui se passe d'une manière générale dans l'Empire, en fait, d'après leurs paroles. Et à un moment donné, ils parlent de rats dans les murs. Et ça, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on parlerait pas de là, d'infiltrés Est-ce qu'ils ne seraient pas au courant qu'il y a des infiltrés Parce que bon, il y en a, il y a RN et toute la clique, enfin, on ne sait pas qui sont là exactement, mais on sait qu'il y a des infiltrés nous. Par contre, eux, de base, ils ne savent pas vraiment, et j'ai l'impression que quand il dit, euh, je sais plus c'est quoi la phrase exactement, mais il parle de rats dans les murs et tout, euh, et bien, j'ai l'impression qu'il parle effectivement des infiltrés. Alors soit il parle de ça, soit il parle des titans qui sont présents dans les murs de l'île du paradis. Alors je sais pas trop dans quel sens est-ce qu'il parle de ça. J'ai plutôt l'impression qu'il parle d'infiltrés pour le coup parce que euh, clairement on parle beaucoup plus de la situation de l'Empire Mar directement que de l'île du paradis dans leur discussion. Donc j'ai l'impression qu'effectivement euh, le but du maréchal c'était de dire... Oui, il y a des infiltrés, on s'en occupe, on est au courant, machin. Donc bon, on verra bien si c'est par rapport à ça ou c'est juste une phrase qui est lâchée comme ça, parce que c'est possible. Hein. Parfois, il y a des petites phrases, t'as l'impression que ça veut tout dire, alors que ça veut rien dire du tout. Donc à ce niveau-là... Euh, peut-être qu'effectivement c'est pas vraiment euh, pour dire il y a des infiltrés mais j'ai l'impression que c'était effectivement une petite ligne par rapport à tout ça. Un petit truc assez intéressant aussi après c'est qu'on a Eren qui est encore une fois en train de parler avec Falco, bon il remercie Falco et tout, et on a un gars qui débarque et euh, qui s'appelle Jaeger, donc c'est le grand-père d'Eren. Hein. Globalement euh, c'est tout simplement ça parce qu'il raconte l'histoire qui est arrivée à Grisha et à sa fille. Et euh, chose très intéressante, bon déjà c'est qu'il vient parler à Eren, à mon avis c'est pas pour rien, donc je pense que euh, il a remarqué qu'Eren c'était pas quelqu'un de normal, parce que bon il connaît pas Eren hein, de base. Et du coup, à mon avis, il a remarqué qu'effectivement Eren c'était pas quelqu'un de normal, et peut-être qu'il a eu l'impression de voir son fils euh, en regardant Eren ou quelque chose comme ça, et du coup à un moment donné il dit justement à Eren bon il sait pas qui c'est Eren hein, parce que Eren il se fait appeler euh, Kruger là-bas et il dit à Eren euh, ouais euh, rentre chez toi, enfin, retrouve ta famille machin donc j'ai l'impression que effectivement monsieur Jaeger il sait un petit peu ce qui commence à se passer le truc c'est qu'en fait il a l'air complètement fou parce qu'au départ t'as l'impression que c'est un docteur c'est Falco qui le dit et finalement en fait quand euh, le vrai docteur et euh, une infirmière viennent le rechercher t'as plutôt l'impression que c'est un patient qui perd les pédales. Et je pense qu'effectivement, c'est un patient qui perd les pédales. Mais ce qu'on remarque dans euh, toute cette discussion avec Irene, c'est qu'il regrette énormément ce qu'il a fait à son fils, euh, finalement. Le fait qu'il n'ait pas cru Grisha quand euh, Grisha est venu lui dire ce qui s'était passé avec sa sœur, etc. Et donc, peut-être que justement, bah, tous ces remords, finalement, l'ont fait perdre les pédales, et c'est peut-être ça qu'on essaye de nous montrer ici. Alors, c'est... En soi, assez intéressant parce que euh, bah, peut-être qu'à un moment donné on aura la révélation et que Eren va le rencontrer encore une fois et va peut-être lui dire que c'est le fils de Grisha, euh, ce qui s'est passé et tout. Parce que bon, il, il, en soi, il a aucune idée de ce qui s'est passé quand Grisha est arrivé euh, sur l'île du paradis et tout. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir ce côté là. Mais à mon avis, euh, c'était pas anodin en fait toute cette discussion. C'était pas anodin que ça soit pour le côté en mode euh, retourne voir ta famille. Euh, qui dit ça à Eren et tout et surtout pour le côté comme quoi il a des remords je pense qu'on va en réentendre parler enfin j'espère en tout cas parce que ça peut être assez intéressant d'avoir ça après il a l'air quand même complètement fou donc bon peut-être qu'il raconte ses petites histoires à tout le monde et qu'on n'est pas au courant mais je pense pas non plus clairement je pense pas non plus qu'il raconte tout ça alors après on a la cérémonie qui démarre chose que j'ai noté par rapport à la cérémonie parce que bon au final t'as l'impression que les pays il euh, y en a certains qui sont un petit peu en mode t'en as un qui fait un discours à un moment donné et qui se trompe entre le mot ennemi et ami, et du coup euh, t'as l'impression que tout le monde va lui sauter dessus. Donc euh, pour moi l'alliance, ça risque d'être assez compliqué. On va voir si Willy arrive à gérer un petit peu le truc, parce que finalement c'est lui euh, qui va essayer de gérer un petit peu tout ça, et c'est bien pour ça qu'il a ce rôle-là. Euh, chose que j'ai quand même noté, c'est que à un moment donné, on a... Je sais plus comment s'il s'appelle le petit à lunettes parce que c'est les gamins qui font euh, le service et on a le petit à lunettes qui renverse un verre sur une femme. Euh, bon, sachant que c'est tous des gens importants qui sont là, sauf que la femme, et eh bien au lieu de l'engueuler et tout, sachant que c'est un Eldien, parce qu'elle est au courant que c'est un Eldien bien évidemment, eh bien elle décide de le protéger. J'ai trouvé ça très chelou, mais ça montre aussi qu'il y a des gens qui sont euh, du côté d'Eldien finalement et qui seront pas forcément pour cette alliance. Euh, contre l'île du paradis qui sont des eldiens finalement donc euh, c'était assez intéressant de voir ça parce que ça veut peut-être dire qu'il va y avoir des opposants dans tout le tas euh, qui vont s'opposer justement à l'alliance contre l'île du paradis ou quelque chose comme ça fin d'épisode on a Eren qui rencontre Reiner donc là je sais pas ce qui va se passer clairement il peut y avoir 1000 scénarios possibles soit les deux ils vont commencer à se battre mais je pense que euh, en fait Eren va parler avec Reiner et comme je l'ai dit Reiner je sens un petit peu voilà ça s'est vu dans le dernier épisode et tout tu sens un petit peu qu'il sait pas quel est le camp des gentils finalement et euh, peut-être que si Eren a une bonne proposition à lui donner eh bien il va tout simplement l'écouter et ça va peut-être devenir un potentiel allié d'Eren alors je suis impatient de voir la suite, clairement, par rapport à ça, déjà pour la réaction de, de Raynor, mais je suis impatient de voir aussi avec qui est-ce que Ren était en contact, en fait, parce que soit il contactait euh, Jean, euh, peut-être Mikasa et tout, parce qu'ils doivent être là aussi, alors on n'a pas vu pour Mikasa et tout, Jean, on sait qu'il est là... Mais euh, peut-être qu'il contactait aussi finalement un allié qu'il a directement dans l'Empire Mar, parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, il a peut-être un allié qui est euh, carrément du côté des Mar, peut-être qu'il a réussi à rencontrer quelqu'un entre-temps, donc ça on verra bien, mais... Les prochains épisodes, clairement, on va avoir une déclaration de guerre et tout. Ça risque de chauffer. Alors, à voir si, effectivement, ils vont mettre un plan en action dès la cérémonie ou pas euh, du côté de, de l'île du paradis. Parce que, bon, je pense qu'ils vont pas laisser la cérémonie se faire comme ça. Ils peuvent pas prendre le risque que tout le monde se mette en alliance contre eux, en fait. Hein. Il faut arrêter ça avant, euh, tout simplement. Même si, bon, s'ils débarquent et qu'ils commencent à arrêter la cérémonie et tout, L'Alliance, il y a moyen qu'elle se crée aussi par rapport à ça parce qu'ils vont. Enfin, les gens vont penser que euh, l'île du paradis, c'est vraiment des... des dangereux et voilà. Donc, ça, on verra bien comment est-ce que ça va se passer. Mais je suis impatient. Là, on a une semaine de pause. Ça va être juste horrible d'attendre deux semaines avant d'avoir le prochain épisode. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci en commentaire. Je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ciao.